Merci beaucoup, alors Jean-Claude Tissot, ensuite Jean-Marc Boyer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. J'aimerais directement aborder avec vous le sujet de l'agriculture et le rôle que joue la grande distribution dans la rémunération des agriculteurs. En effet, plus de 2 ans après sa promulgation, le bilan de la loi Egalim est particulièrement mauvais, et c'est un échec reconnu unanimement par tous, producteurs, consommateurs. L'objectif présidentiel de permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé apparaît bien lointain, et cette situation est malheureusement dramatique dans de nombreux territoires ruraux. À l'inverse, il semblerait bien que les industriels et la grande distribution ont profité de cette loi pour élargir leurs marges. Dans un rapport en date, il a déjà été dit, du 25 mars dernier, Serge Papin a formulé 9 propositions pour renforcer la mise en œuvre de la loi Egalim, ce qui nous conduira sûrement à une Egalim 2. Et parmi les propositions de ce rapport, on peut notamment retenir la garantie de la marche en avant du prix, notamment en rendant non négociable le prix de la matière première d'un produit à forte composante agricole, ou encore retenir l'idée de redonner de la valeur à l'alimentation en renforçant l'encadrement des promotions. Alors, ma question est très simple et directe, Monsieur le Président, Directeur Général. Face à ces propositions, quelles sont vos réflexions? Je vous ai trouvé quand même très timide dans votre propos liminaire. Bon, vous inquiétez pas, je ne le serai oui, pas. Oui, mais ma c'était une impasse et j'imagine volontaire. C'est la question. Parce que je savais que la présidente vous a posé la question très clairement aussi, donc je me permets d'insister. Et que porte concrètement votre groupe pour améliorer justement la valeur entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire et particulièrement les agriculteurs? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Sénateur.